direct d'Abidjan en marge du deuxième congrès ordinaire du COGEP organisé par le président Charles Blé Goudé, le président justement de ce parti. Et pour l'occasion, nous recevons sur les plateaux ici de For You Media Africa l'honorable Innocent Kagbara, député à l'Assemblée nationale, mais également président de la commission de l'éducation et du développement socio-culturel. On doit toujours nous infantiliser. C'est pour ça, sur cette question, oui, sur la diplomatie togolaise, je pense que le président Faure est un exemple pour les autres chefs d'État. Mm. Parce que nous ne pouvons pas diriger un pays, nous qui ambitionnons diriger notre pays un jour, si ce lien n'est pas coupé. Donc celui qui coupe ce lien avant que nous on ne prenne le pays, il faut, même si nous sommes de l'opposition, il faut le reconnaître qu'il fait du bon travail sur ce plan, sur le plan diplomatique. Et nous nous disons par exemple que même si nous prenons le pouvoir demain, oui, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, peut-être que ça sera la même politique que nous allons conduire. Oui. Donc on ne peut pas dire que tout est mauvais dans ce que les autres font. Donc nous avons cette honnêteté de dire que si la prise de position est bonne, nous pouvons la féliciter. Et c'est ce qui nous caractérise. Être qui nous sommes, mais sans aucune influence. Oui. Et reconnaître quand l'adversaire fait bien. Épris de panafricanisme, de liberté, de justice et d'africanisme, Innocent Kagbara, député à l'Assemblée nationale du Togo, se livre sur les motivations de sa présence au congrès du COGEP à Abidjan et ses ambitions pour un Togo libre, une Afrique libre. Tout ceci dans un entretien exclusif sur For You Media Africa, ce jeudi 30 novembre 19h30 Lomé, 20h30 Yaoundé, une présentation de Sikindoumbe.